Salut les amis, c'est Kirwendo et Kiki et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Smash Bros Brawl. Alors, on en... Ah, les manettes sont encore synchronisées n'importe comment, attends. Non, ça devrait être... Ok, c'est bon, c'est bon. Donc le laboratoire de recherche, c'est vrai qu'on allait voir Snake là. On était à Snake normalement. C'est qui déjà lui? Tu sais, le gars de... Lui, bah, tu vas voir. Ah non. Pas... Ah, c'est vrai qu'on le voit dans le niveau, mais pas tout de suite. Là d'abord, c'est Samus sans armure. D'ailleurs, tu sais que la dernière fois, on parlait de Meta Knight, parce qu'il y avait Meta Knight dans le niveau. Il y en a quelques-uns qui me l'ont rappelé dans les commentaires, mais c'est vrai que Meta Knight, c'est... Débranche ta manette et remets-la. Débranche-la et remets-la. Il y a des gens qui ont qui me l'ont redit, ça y est, j'avais complètement oublié. Meta Knight, c'est le perso le plus fort de ce jeu. Et il est tellement fort, mais objectivement, en plus, il est tellement fort qu'il est interdit dans les compétitions. Arrête. Si, il est interdit dans les compétitions de ce jeu parce qu'il est vraiment objectivement déclaré comme étant le plus fort quoi. Mais il est vraiment vraiment super fort. Il tape trop vite. Il fait peut-être pas énormément de dégâts, mais il tape vraiment beaucoup trop vite par rapport à ce qu'il devrait quoi. Bon, alors elle peut tirer, tu sais, elle peut envoyer des projectiles avec le bouton B, elle peut les charger. Non, elle est forte. Alors, en tout cas, elle est mieux que la Samus normale. Je suis pas sûr qu'on descende si. Bah si, je pense. On va plutôt descendre par là, non? Par ici. Parce que j'ai plutôt peur que... Ouais, non, c'est peut-être pas du vide, mais... Je sais pas, j'ai quand même... Ah bah non, c'était juste pour aller là. Parce que là, non, on va faire demi-tour, y'a rien. On monte deux fois alors? Bah oui, on va pas tomber dans le trou, parce qu'on sait où il nous mène le trou. Ok. Tu veux remonter ou... Oh là, c'est le bazar, les niveaux labyrinthe comme ça. Faut pas tomber. Ah, si t'appuies sur le bouton plus, normalement tu te téléportes à moi. Quelqu'un a dit ça. Attends, voilà, tu t'es... Mais de toute façon, ça te téléporte tout le temps, moi, alors. Ouais, mais normalement, ça te téléporte même si t'es pas... Genre, tu vois, si t'as pas encore été... Attends, regarde, reste où t'es. Je me mets là, appuie sur plus. Tu vois, ah, ok. Yes. Donc comme ça, si t'es bloqué à un endroit et que tu t'as peur de tomber dans le vide ou je sais pas quoi, tu peux appuyer sur le bouton plus pour venir directement vers moi. C'est vraiment de la triche. Bah, dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et merci à vous parce que... Non! Merci à vous pour ces astuces, parce que ça va peut-être nous aider si on pense à le faire, mais sinon ça devrait peut-être nous aider. Bah c'est surtout à moi qui dois penser de le faire. Oui, surtout moi je peux pas le faire, de toute façon, si j'appuie en plus ça m'épose, donc là normalement elle va rejoindre Snake. Ah, peut-être pas tout de suite. Ah, Pikachu d'abord! T'as vu l'exploit! Le pauvre, ils s'en servent comme de... Genre ils mettent les dessins de la Team Rocket à exécution. C'est trop horrible, c'est elle qui vient le sauver. Mais oui, le pauvre il a l'air de souffrir. Heureusement qu'elle était là. Hein. Merci Samus. Tu les aimes bien eux? De quoi, qui ça? Bah eux les petits robots. Non. C'est eux les robes. Ah, je veux Pikachu. Ok, je prends Pikachu. Non. c'est ça. Je suis bien, ouais, je suis ok d'accord. Oui. Bon, moi, Pikachu, j'ai pas besoin de t'expliquer comment on le gère. Normalement, tu le connais, Pikachu. Pas du tout, mais... Si tu fais O et B... Non, bas et B. Fais bas et B, tu vas voir, c'est génial. C'est la plus forte avec qui là. Regarde, tu vois. C'est ouf. Tu peux faire bas et B. Si tu fais B normal, t'envoies de l'éclair. Si tu fais O et B, tu voles à moitié, sauf que tu peux le faire pas beaucoup, en fait. Voilà, tu peux pas le faire, mais... Si tu fais O et B, tu... C'est une espèce de téléphone. Oh, c'est Hat, je crois. Ça s'appelle comment? Si c'est Hat, ça, non? Tu dirais. De quoi? Ce qu'il fait là quand tu fais O et B, c'est pas téléporte, il a pas téléporte Pikachu, c'est quoi? Bah, c'est Hat. Hat il l'a, mais Hat c'est juste pour augmenter la vitesse. D'accord, bah alors je sais pas ce que c'est. Parce que normalement c'est que des attaques de Pokémon qu'ils ont mis. Hein. Genre t'as l'attaque fatale foudre, t'as l'attaque éclair. Normalement c'est une attaque que Pikachu a. Mais tu sais, des fois ils se trompent, ils mettent des attaques. C'est peut-être souplesse. Peut-être. Je sais pas. Oh là là. Allez. Ouf, heureusement l'autre il a pas réussi à nous taper. Les rotoflèches ils sont sacrément embêtants. Oh bah il s'est jeté dans le vide l'autre, t'as vu? Oui j'ai vu. Il est tombé tout seul. Parce qu'il a eu peur de moi. T'es parfait. Eh mais j'ai l'impression qu'on... Ouh, j'ai eu peur. J'allais dire j'ai l'impression qu'on se débrouille bien mieux. Et en fait j'ai failli tomber. Non mais j'ai l'impression qu'on se débrouille mieux avec ces deux persos qu'on s'est débrouillé dans des niveaux avant. Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend. Ouais ça dépend. Prends la clé. Alors faut peut-être se barrer, attends, ouais faut se barrer avec la clé, viens, faut la garder. Ah lui je vais le tuer parce que celui là-haut c'est le plus embêtant. Voilà c'est bon, parfait. Pika ah, viens, non, oui, c'est si tu remontes dessus le truc il te fait à l'infini. Faut que tu jettes la clé sur la porte qui est en haut. Ou tu comment peux peut-être juste la toucher. Ah, ça doit être avec le bouton A que tu jettes. J'en ai marre. Appuie sur plus. B.
de la marche. Voilà. T'appuies sur le bouton A ou tu touches la porte. Je pense que ouais, ça marche si tu touches juste la porte. Non. Oh, ça t'a tué. Donc si tu prends les trucs sans moi, ça te tue. Ça m'a tué. Oui. C'est peut-être à cause des ennemis qui sont apparus. Hein. C'est peut-être à cause des ennemis qui sont apparus, ce serait pas étonnant. Ah, ouais, bon, d'accord, c'était pour moi, mais bon. Attends. Tu crois que ça me fait de la peine hein. Ça devrait. On a déjà appuyé sur le bouton, comme on a fait. Ah, ça doit être toi, toi avec ton Fatal Foudre. T'as dû appuyer dessus. Viens. Ok, ah bah non, mince. Bah attends, on a pas la clé, là. Alors, c'est pas par là. C'est par là, je pense. C'est bizarre. Ça a failli te tuer encore, non. Oh, du bruit. Enfin, du bruit ou du camembert. C'est la même chose. Ah, la clé est là. Bah, on a plus besoin de la clé. Non, on a plus besoin. Puisque, tu sais, avec ta Fatal Foot, t'as activé le truc en avance. Attends, tu penses que c'est du vide en bas ou... Je pense pas que ce soit du vide. Non, c'est pas du vide. C'était obligé parce qu'on pouvait plus aller que par là. Mais attends, mais non, on est revenu là. Bah oui. Donc va peut-être falloir quand même ouvrir la porte. Bah oui. Ah non, la flèche nous dit d'aller par là. Ah. On a dû activer avec le bouton un truc. Un autre truc. Bon, Oui, ça... Oui, là t'as fait B côté. T'as fait B côté. Bah oui, je sais, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire alors. Mais c'est bien, regarde, mets-toi là et essaye de le faire vers la gauche. Non, mais j'ai déjà fait tout à l'heure. Ouais, mais plus tu charges et plus tu fais de dégâts et plus tu vas loin. Par contre, fais attention. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tu peux plus refaire ton troisième saut. Ce qui fait que si tu t'es jeté dans le vide comme ça, tu meurs. Tu tombes dans le vide. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est arrivé plein de fois avec Luigi de me tuer. Il a un coup similaire, Luigi, et ça m'est arrivé plein de fois de me tuer comme ça. Oh, je sais pas ce que c'était, mais ça avait l'air... Puis de couler. Ouais, peut-être. Alors, on va où? T'en penses quoi? Il y a une échelle tout là-haut. Ah non, ça nous dit d'aller vers la droite. Bah alors, on va aller vers la droite. Hein. On va suivre les flèches. Oui, c'est le mieux à faire. Ouais. Tu peux pas attendre, hein. Non. J'ai besoin d'avancer. Moi, je peux pas rester sur place. J'ai la bougeotte. Salut. Normalement, j'ai une attaque bien, mais je sais plus comment on l'a fait. Ah, avec Ba et B. T'es en train de dire qu'elles sont nulles, ces attaques? Non, mais j'ai une attaque vraiment bien, celle-là. Elle est vraiment cool. Ça, j'aime pas du tout. Moi non plus. Surtout que j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vite. T'as pas cette impression? Non. Ah. Bravo, Kiki. Fais attention, on a plus de vie, hein. Aïe. Ok, moi je me moque de toi, mais tu vas mourir plus. Bah j'ai fait plus, qu'est-ce que tu crois? Je vais mourir. Ah non. J'ai appuyé trois fois sur plus. Hein. Attends, mais on va où là? Il faut peut-être les tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ok, d'accord. Ouais. Peut-être que tu peux pas appuyer sur plus quand t'es éjecté en fait. Oui, je pense. Bah, sinon ce serait trop facile, ouais, dès que tu vois que t'es éjecté. Ouais, je me retéléporte. Oui, bien sûr, sans problème. Aïe. Aïe, ouais. Ça m'étonne même pas de toi. Oh, Eddie, hein. Quand on appellera beau de chambre, on te sortira sous le lit. Moi aussi, j'ai été éjecté, hein. Ouf. Bon, des fois, je rentre pas dans les portes, je sais pas comment ça se fait, ça m'énerve. Moi, je suis encore mort 0 fois, hein. Encore. Mais ça va, je suis mort que 3 fois. Deux, n'exagère pas. Alors, maintenant, en haut ou vers la gauche? En haut. Ok. Ah non, c'était vers la gauche. J'ai vu la flèche. Ok. Attends. Oh. Ok, par là. Tu vas voir que ça va nous ramener au même endroit. Il y a moyen, non? Bah oui. Ah oui, si. Enfin, c'est cette porte-là qu'il fallait prendre, mais on pouvait le rejoindre vers la gauche. Grave. Ça faut les tuer au plus vite avant qu'ils se... Tu sais, avant qu'ils se clonent. C'est ceux qui font plein de petits bébés, là, les électrodes. Je crois que tu peux pas quitter la pièce tant qu'on les a pas détruits. Attends, si. Ah, si, bien. Oh, quand on va revenir, il va y en avoir plein, tu vas voir. Je crois qu'ils disparaissent pas. Donc ils se procréent pendant ce temps. Alors ça, des robes lanceurs de missiles, ça m'a l'air pas sympa du tout. Des missiles à tête chercheuse. Ok. Ah, on prend une porte, ça va. Tant mieux. Non, c'est pour moi. Non, mais ça va pas. Toi, tu te gênes pas. Tu te vantes tout le temps, là, je suis meilleur, je suis fort, je meurs pas. Bah tiens, on va voir. Attends, c'est facile, hein, ça te change tout. Moi, je vais aller là. Ok, très bien. Ah ah, j'ai bien fait d'y aller. T'as essayé de te téléporter. J'ai vu clair dans ton jeu. On dirait que j'ai fait quelque chose de mal. Ah, oui, là, là. Quelque chose de mal.
Peut-être qu'ils vont nous donner des trucs à manger. Mais attends, mais il y en a de plus en plus là. Ils sont de plus en plus gros, c'est là. Oui. Allez. Ils donnent rien à manger. Oh. Parce que là, t'en aurais bien besoin parce que y a... Ou alors qu'ils donnent une vie parce que je suis désolé, mais. Il est long le niveau en plus, j'ai l'impression, non? Ouais, je crois qu'il est pas prêt d'être fini parce que. Mince. Parce qu'après, on va rejoindre Snake. Hein. Ou alors peut-être qu'on le rejoint à la fin, je sais plus. Hé, hey, c'est pratique ton truc. Oh, non, non, non. Oh non, 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 ils ont ramené. Ah là là, j'en ai marre. Meurs. Oh non, il est pas mort. Non, il est toujours pas mort. Ok, on l'évite. Oh non, on aurait dû. Ah bah, c'est bon, il a disparu. Bon, alors, on va nous envoyer des mecs en métal alors qu'on est déjà un peu dans le caca. C'est pas génial. Un peu dans le caca, on est dans la grosse mouise là. Dans la grosse bouse. Ah là 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 là. Ouais. 182%. Utilise ton attaque éclair. Enfin, c'est bien l'éclair contre l'acier. Bah, non, normalement non. Pas du tout. Hein. Ah bah c'est pour ça alors que tu galères un peu, c'est pas de ta faute. Parce que t'es pas le bon type. Exactement. C'est bon, ils sont tous morts? Non. En plus, il a pas de recul. Tu sais, quand on le tape, il prend pas de recul. Et non, mais quand j'envoie des trucs d'éclair, ça me les renvoie à moi. Oui, parce qu'il y a une pente. Bon, ça te fait pas de dégâts, hein, mais... Oh, 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 bon. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Ouf, j'ai été sauvé par le truc. Alors, là, ça va être très chaud. Ça va être très très chaud, mais je pense. Mais ça va, t'es qu'à 200%. C'est la fin. C'est la fin. Oh là là, c'était chaud. Heureusement qu'il y avait la fin là, parce que j'allais pas survivre plus long. Ah, c'est peut-être pas totalement la fin. Non. Peut-être que là, je vais avoir son armure. Ah mince. Parce que si on perd, on recommence tout du tout début, je crois. Hein. Oh non, merci, la galère. Mais pourquoi dans ce niveau, ils nous ont donné zéro vie? D'habitude, ils en donnent. Au moins une ou deux, ouais. Mais grave. Oui. Ah, c'est bon. Hey, man. Ouf. On a eu Brassegali. Et Valou, quoi Valou? Valou, c'est Val. Je crois que c'est Valdo, pas Valou. C'était et c'est Valou, le dragon dans Wind Waker. J'ai vu quand je l'ai ramassé. Par contre, Brazegali, j'ai pas vu quand je l'ai ramassé. Je sais pas à quel moment on l'a eu. J'avais Valou. Valdo. C'était écrit Valou. Valdo. C'est Valdo. Valou. Il s'appelle. Mais non, il s'appelle pas. Et attends, normalement, on peut renforcer les persos. Et ouais, on peut. Bon, on fera peut-être ça en dehors des épisodes. Mais normalement, on peut renforcer les persos. Et ça marche que pour ce mode, mais c'est plutôt cool. Bah, vu la... Oh, Jack Kirby? Oui. À la fin du jeu, tu pourras choisir le perso que tu veux parmi tous les persos qu'on a débloqués. Donc là, on pourra renforcer le perso que tu veux. Kirby. Parce que là, ça sert à rien de tous les renforcer, on n'a pas assez de stickers, mais... Bah... Ah ok, je me disais, il y a deux Bowser, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour faire des clones maléfiques. Genre là, ils font un clone maléfique de Zelda. Ah, qui a l'air sacrément maléfique, d'ailleurs. Grave. Elle a l'air sacrément méchante. Oh. Meta Knight? C'était un épéiste en tout cas. Oui. Ah, allez, Pete. Je l'adore lui aussi. Hein. Oula, donc ça va être Pete contre Zelda. Ah, Pete et Mario. Donc tu joues Pete, j'imagine. Sans doute. Bon, allez. Ça m'avait manqué ça. Oh, c'est pas sérieux. Bon, allez, je lui ai envoyé des boules de feu. On lui avait fait 0 points de dégâts quoi depuis le début. Non mais c'est une blague. Mais j'ai pas arrêté de la taper. Mais oui, elle fait que de se protéger. Elle se protège trop bien, je sais pas comment elle fait son compte. Bon, hein. Ouais, c'est bon là, ok. Ah, ça peut être pas mal pour enchaîner. Enfin, faut que je réussisse à la taper une première fois, mais normalement. Oh là 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 là. Allez. Oh là là, mais ils esquivent trop bien pour des ordis, c'est ouf. Mais elle est trop forte, hein. Ok, c'est bon, j'enchaîne bien là. C'est trop pété cette arme. T'as vu, elle paye pas de mine cette arme, mais en fait, tu peux te retrouver dans un combo comme ça. C'est un jeu éventail. Oui. Allez, je vais essayer de la finir avec ça. Si elle revient. Allez, viens ici. Voilà, c'est bon. Cette arme, elle est trop forte. Quand tu la charges, elle est trop puissante, la baguette. C'est la baguette de Kirby. C'est la baguette des rêves. Non, des étoiles, je crois. Les deux, je sais plus. C'est la Star Road, je crois. Ouais, elle est stylée. Ah, bah vous venez de tuer Zelda. Ah oui, oui, ah bah oui, c'est vrai, il est pas content. Parce que lui, il a pas suivi l'histoire. Ça va, c'était la fosse. Hein. Bah il peut pas savoir. Il a cru qu'on vient de tuer sa princesse. Je veux Pete. Ouais. Je vais le tuer, lui. Tu vas tuer Yoshi. Et bah pourquoi Yoshi, il se met du côté de Link? Grave, il pourrait se mettre avec Mario. Mais oui. C'est son meilleur ami, quand même. Allez, petite boule de feu. Oh, il m'énerve, Yoshi. Hein.
C'est moi qui ai pris le plus cher là, genre. Oh, ça c'est cool. Bah pourquoi? Mais comment ils font pour éviter de ouf? Attends, ils sont qu'en normal quoi. J'ai l'impression qu'on joue contre des experts là. Bon, les gens disent dans les commentaires qu'on est un peu nuls là, mais. Oui, bah. Je les prends quand ils veulent, les gens, ok. Je suis pas sûr qu'à Smash on prenne grand monde, nous, mais. Surtout que là j'arrive pas à le taper. J'arrive à taper personne, c'est bon, je l'ai eu. Bah, il est pas mort, mais. Yes! C'est bon, on est nul, mais on y arrive quand même, hein. Je veux dire, c'est pas comme si on perdait, hein. Ouais. Oui, oui, enfin, on perd après. Enfin, on gagne après avoir perdu pas mal de vie, quoi. Très bien. Ça, ça peut être efficace. Je sais pas si j'aurai l'occasion de m'en servir. Mais j'ai l'impression que leur pourcent monte pas du tout, quoi. Grave. Oh non, il a réussi à récupérer une... Ah, la noix, c'est pas mal, faut leur jeter dessus. Tu l'as récupéré? Non, c'est lui qui l'a eu. Mince! C'était sûr. C'est toi qui es mort? Ouais. Mais t'es sérieux? Mais t'es trop nul! Oh, ah mais oui, c'est vrai, mais pourquoi ils nous ont pardonné de vie? Mais t'es trop nul! T'es mort! J'suis mort une fois! C'est bon! Pourquoi on a un score? Pourquoi on a un point de score? Ma mort nous a donné un point de score. T'as vu, regarde! T'es trop mauvais, je suis choqué. Comment on fait pour saisir, je sais plus. Comment on fait? Je savais pas qu'on pouvait. Ah ok, c'est bon, c'est avec le stick. C'est pratique de saisir. Ah ça c'est. Ok. Écarte-toi, écarte-toi deux. Regarde. Voilà. Oh c'est vrai, enfin, on aurait dû attendre un peu avant de le faire. Quoi? Je suis déjà à 100? Oui, bah ils t'ont enchaîné à 2. Oh oh oh, un piège. Bah, j'ai jeté ou pas le piège? Ah bah, je suis dans un trou, moi. Ah bah oui, ok, je l'ai jeté sur toi. Merci. Mais j'étais sûr de pas l'avoir jeté là. Tu vas pas tarder à mourir, hein. Et pendant ce temps, ils ont aucun pourcent, c'est ouf. Ils sont trop forts pour nous. Bah non, tout à l'heure, moi, je gérais. En fait, à partir du moment où on sera débarrassé d'un seul, ce sera déjà beaucoup plus facile. En fait, le gros problème, c'est qu'ils sont deux, là. Ok, il y en a un de mort. Ouf, parfait. Pas grâce à toi. Si, c'est moi qui l'ai tué. Oui, bah c'est moi qui lui ai fait tous ses pourcents, ok. Non. Ouf. Viens ici, Yoshi. Allez. Il veut me tuer, hein. Mais il oui. m'en veut, hein. Mais ils esquivent trop bien les persos, c'est ouf. Oh. Ah ouais, ça va être chaud. Mais non, tu peux le tuer. Oui, je peux, mais c'est pas pour autant que je vais y arriver. Moi, si t'avais été tout seul contre Yoshi. Viens, va en bas, Yoshi. Va en moi, bas. Moi, si j'ai du mal, c'est parce que t'es là, tu me gênes sur l'écran. Bah, il t'attend. Bah, ah. Oui, mais non, mais moi, j'ai une astuce. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yoshi? Viens. Mais tu crois quoi qu'il va dire oui à toi? Normalement, il est débile. Voilà. Oh non, c'est une blague. Bon, ok. Pas grave. Oh, comment il a fait pour esquiver ça, c'est ouf. Quel plan de merde. Mais normalement, si tu les bloques en ligne droite, en ligne horizontale, ça les emmène vers le mur. Mais là, il était pas bloqué en ligne bah, droite. Bah, il était voilà. plus avec toi, quoi. C'est vrai, c'est vrai. On les a transformés en figurines. Bien fait pour eux, ils avaient qu'à peine d'attaquer. C'est vrai, ça, c'est vrai. Oh Mario, il y a sa princesse. Dit. Ah oui, là, il perd ses moyens. Alors là, il ne répond plus de rien, là. Oh oh. Ah bah voilà, il sauve tout le monde. Quand je le dis que c'est le meilleur. Ah, il est trop fort, Kirby. Et là, il a défoncé le... Genre avec une petite flèche. Genre le machin moteur en acier. Alors, tu veux qui? Ah, tu choisis qui tu veux. Tu peux avoir Pete ou pas? Lui? Oui, oui, oui. Enfin, Kirby. Bon, je enfin, Pete, Kirby. Enfin, Kirby. On prend tout le monde sauf Mario. Moi, j'ai pris Pete. Ah. Le premier qui meurt, il joue avec Link et ensuite avec Yoshi. Oh là là, ça commence bien, on se prend déjà... Arrête de partir sans moi, je perds des pourcents à chaque fois, c'est relou. Ok. Non mais eux, ils sont relous avec leurs bombes là. Faut pas les tuer, faut avancer. Surtout qu'on peut tous les deux voler, donc on perd pas de temps, on avance. Ça va s'envoler, ouais. Ah mais, il nous a suivi l'autre.
Ok, il est tombé. Il est passé à travers le sol. Oh là là, mais alors toi. Il s'est sauvé. Il suicide, genre. Oui. Oh oh oh. Yes. J'aurais peut-être dû te laisser l'étoile vu que t'es un peu nul. Bah tiens, je te laisse tomber. Ah, puis débrouille-toi. Mais ils sauvent, ils font que de se sauver ces ennemis. Oh là là. Oh oh. Lui, c'est difficile de s'envoler pour l'éviter. Ah bah. Non mais on fait que de les faire tomber. C'est quoi cette plateforme mouvante toute pourrie? Ouh là 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 là. Oui oui, fais attention. Allez. Ah, tu peux pas m'avaler. Non. Oula. Attends, c'est mauvais signe ça. Et la plateforme est réduite. Je m'aplatis moi. Quoi? Ok. Je suis en train de perdre des points de vie. Ah c'est bon. Allez, on avance. On ne perd pas de temps avec eux. On a quand même pris pas mal le pourcent hein. Pour le tout début du niveau ça avance tout seul. Oh là là. Mais t'es sérieux, toi, bouge de là. Bah. Tu peux pas les avaler hein. Non, pas vraiment. Bon, il y a combien de vie? Ok, c'est bon. M'en fous. J'avais l'impression qu'il était invincible. Oh, d'accord, ça, ok. Ça, j'aime pas ça. Il faut sauter au-dessus. Ah, bien, bien. Ouais, t'as vu, il est stylé hein. T'es pas si mauvais. Ah, ok, j'ai eu peur. En fait, ça peut pas nous écraser ces trucs-là. Non, 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 laisse-moi. Après, ils ont mis les pires ennemis, quoi. Non. Ouf. Elle va pas trop vite. Bon, oh. Un banc. Vers le haut. Ah bon. Moi, je sentais attends, bien. Non, 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 non. Ouais, ça nous emmène dans le vide. Mais si tu vas trop vite, ça t'emmène dans le vide. Ah, saute. T'as bien réagi, hein. C'est déjà rien fait. Ah, t'as pas appuyé sur. Non, ça l'a fait tout seul. Moi je l'ai refait. Ouf. Non. Ah, ça c'est horrible. C'est le pire ennemi quoi. Le truc il te bloque. Bon. Bon. Hop. Allez. Là surtout qu'on peut perdre tous les deux en même temps hein, sur ce genre de truc. Vu que si le truc nous bloque tous les deux. Ouais, c'est insupportable. Ouais. Donc dans le dernier épisode ils nous ont teasé Snake et on l'a toujours pas vu là. Grave. Alors bah toujours. Ok, toujours Pete, c'est pas mal. Je préférais quand même que tu prennes Yoshi à la place de Mario. Hein. Oh non, surtout. Ah oui, oui, bon, j'ai juste appuyé sur le bouton rapidement. Hein. Ouh là 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 là. Heureusement qu'on a gagné nos vies parce que quand je vois le genre d'ennemis qu'on voit, ça me fait un petit peu peur. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me fait un petit peu peur. Oh oh. J'avoue que j'aimerais pas les croiser dans la. Tu sais que tu peux appuyer sur bas et B. Pas maintenant, mais. Ah. T'es parti sans moi, non? Je me suis enfui sans toi. Regarde, fais bas et B. Pas au-dessus de l'eau, mais fais bas et B. Ça, et si tu fais ça pendant que t'es en l'air, bah, je sais, tu mais tombes. Je le fais super souvent. D'accord, ah bah, c'est vraiment super pratique. Mais il me prend trop pour une merde, hein. Bah, tu connais pas beaucoup les attaques, hein. Bah, non, si, tu vas couler. De Kirby, je les connais toutes, hein. T'as joué quasiment que lui? Bah, que lui, oui, tout le temps. J'essaye d'arriver. Ah, mais il a trop de mal. Mais pourquoi il vole si... C'est parce que t'es... Oh mais t'es sérieux? Mais il vole trop mal par rapport à Kirby, hein. Non mais c'est une blague. Je peux avaler personne, c'est trop nul. Ouais, Kirby sert à rien dans ce mode. Non. Bon, merci. J'adore la musique de ça. Adieu. Appuie sur plus. Ah, c'est pété. C'est pété de ouf. Mais oui, c'est pété. C'est pété parce qu'en fait ça fait que moi je peux continuer à avancer, toi t'appuies sur plus et comme ça tu peux emmener le marteau dans des endroits où normalement tu pouvais pas les emmener de base. Ah là là. Attends-moi là, arrête d'avancer, c'est dingue ça. Allez. Attends, on va pas faire une pause à chaque fois. Oh là là, j'en ai marre. Oh. Appuie sur plus. T'as pris 142 points de dégâts. Oh. Alors, on prend quelle porte? Bah sur les 142, il y en a au moins 40 parce que tu m'attends pas. Hein. On prend quelle porte? Milieu. J'ai milieu, il y a du feu. Hein. Ah bah ok, d'accord. Ok, bon. Bah sûrement pas en bas, si. Non, en haut. Ouais. Jamais voir en bas. C'est pour les losers. Et là, ça va être en bas. Non. Oh non, 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 non. Fuyons. Oui. Courage, fuyons. En plus, il nous a pas suivi, l'autre. Hein. Il peut se téléporter, il peut voler, je sais pas quoi, mais il nous a pas suivi, tant mieux. Hein. Il a eu peur. Il a vu Kirby, il s'est dit oulala. Oulala. Là, maintenant, c'est toi qui dis oulala. Alors ça va parce que c'est plus difficile, t'as vu?
Il n'y a pas de vide sur le sol, il n'y a pas de vide de, sur le haut. Prends-le, ouais. En plus, tu les tues en un coup. Même si j'arrive à les battre. Ouais. Ah, ils se protègent. Tu leur fais pas de dégâts quand ils se protègent. Ok, ouf. Oh, le badge de Franklin. Franklin? Oui. Franklin. Le badge Franklin, c'est dans Earthbound. Ça n'a rien à voir. Et c'est un badge qui permet de renvoyer tous les projectiles ennemis. Automatiquement. T'as pas besoin de se mettre en contre. On tire un laser et il repart vers l'ennemi. Et il fait double dégâts, je crois. Donc, trop bien. Et c'est ouf. Il dure que quelques secondes. Ouais, 30 secondes. Je pense pas qu'il dure plus. Ah bah voilà. C'est quoi? C'était le château de Roi Dalidou, je pense. Que Ganondorf. Oh. Il lui donne des instructions. Donc ils sont quand même ensemble alors. Mais pourtant, Roi Dadidou et Wario, ils sont pas ensemble. C'est bizarre. Parce que eux, ils ont l'air d'être clairement ensemble. Il lui a donné des instructions. On n'a pas rêvé. Oui, clairement. J'ai mais après, peut-être que Roi Dadidou et Wario, ils sont ensemble, mais qu'ils s'aiment pas, c'est tout. Ouais, peut-être. Ils sont peut-être, malgré qu'ils soient dans le même camp, ils sont peut-être en compétition pour, comme on avait dit, l'argent ou je sais pas quoi. Bref, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Super Smash Bros. Brawl. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut! Salut!